solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere, este amor no se muere aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. Alors je fais ce que tu me demandes, ou bien tu détruis mon père. Je n'ai pas beaucoup de choix, tu ne crois pas? Non. Sur ce point, tu vois juste Florencia. Je veux un petit-fils. Je voulais juste que tu m'accompagnes pendant que j'ai dit au revoir à mon cielo à bientôt. Parce que pour moi, c'est loin d'être facile. Papa, je t'en supplie, ne te sépare pas de la seule chose qui te reste, enfin. Il y a des années... À la mort de ta mère, tu m'as enterré, moi aussi. Depuis ce jour-là, tu es restée orpheline parce que je n'ai pas su être un père pour toi. Je n'ai pas été là quand je t'ai le plus manqué. Je n'ai pas su m'occuper de toi ni te protéger. Je t'ai laissée toute seule. Oui, tu m'as toujours beaucoup manqué, papa. C'est pour ça que je te demande de ne pas refuser et que je me rattrape maintenant, même si c'est peu. Pour tout le mal que je t'ai fait. Mais ce n'est pas en vendant toutes tes terres que tu vas me démontrer que tu m'aimes encore, papa. C'est en me laissant vivre avec l'homme que j'aime, en me laissant être heureuse. Si seulement tu avais ouvert plutôt ton cœur à Gaël, ou à n'importe quel garçon de la ermite, mais à Damien Arango, cet amour te sera toujours interdit, Elisa. Et pourquoi? Pourquoi tu me dis toujours la même chose? Je t'ai dit 1000 fois que Damien et moi ne sommes pas responsables de ce qui s'est passé il y a si longtemps. Ça, je le comprends, Elisa. Vraiment. Vraiment, je le comprends. Je sais que vous êtes innocent de tout. Cependant, vous devez quand même payer les conséquences de la trahison de ta mère et de Rosendo Arango. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais te parler. Tu avais raison quand tu m'as dit hier soir que nous ne sommes pas une famille. Que je n'ai jamais été un père pour toi. Et que tu ne mérites pas de vivre au milieu de tous ces problèmes entre ta tante Carmina et moi. Pour cette raison, je veux te faire une proposition. Sache que je ne t'oblige à rien. Je te demande juste de m'écouter. Et c'est toi qui prendras la décision finale. Entre, s'il te plaît, Carmina, je t'en prie. Je viens de l'apprendre. Bégonia. Pardon, je suis venue en courant, pardon d'arriver comme ça, mais... Est-ce que ça va? Comment va Edmundo? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Il va bien mieux, merci beaucoup. Enfin, il l'a échappé belle, mais bon, qu'est-ce qui lui prend aussi? À son âge, de se mêler à des bagarres de comptoir? Ah oui, mais ça, ce sont les hommes. Bégonia, je t'en prie, tu le sais, ma chérie. Bien sûr. Pour montrer leur virilité, ils sont capables de s'entretuer, ils se foutent du reste. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Mais oui, tu as peut-être raison. Pourquoi tu ne passerais pas lui dire bonjour? Non. Oh si, ça lui ferait tellement plaisir à mon chéri de te voir, s'il te plaît. Tu lui tiens compagnie pendant que je prépare le repas, d'accord? Tu es sûre? Oui, allez, allez, allez. C'est gentil, merci. Le père loupé m'avait prévenu. Il m'a dit que tu allais ouvrir la bouche. De quoi tu parles? Je n'ai pas parlé avec le père loupé. C'est Alfonsina qui a dit à ton mari ce qu'il y a eu entre nous. Et comment elle a pu le savoir, Alfonsina? Ce n'est pas ça le problème. Et tu peux m'expliquer pourquoi, bon sang, moins tu n'as fort. Pas pu nier? Moins tu fort. Je ne veux pas que Bégonia entende qu'on se dispute. Je m'en contrefous que ton espèce d'imbécile de femme puisse entendre ou pas. Alors tu vas parler. Tu vas parler avec Augusto.
Tu vas lui dire qu'Alfonsina est folle, que tout a été inventé et que rien n'est vrai. Hmm? Non. Non, pardonne-moi, je ne ferai pas ça. Mais je vais lui parler parce que j'ai beaucoup de choses à clarifier avec Augusto. Comme quoi? Ton insistance à vouloir falsifier les résultats des tests de paternité? Ah, Edmundo. Tout ce que je voulais faire, c'était éviter à mon mari la douleur de confirmer qu'Elisa n'est pas sa fille. Il y a des années, quand ton fils est décédé de mort subite, tu m'as supplié de ne pas informer Augusto que j'avais commencé à suivre ta grossesse des semaines avant de te marier avec lui. À cette époque, je croyais que vous étiez amants. Mais, connaissant ton penchant pour l'adultère, j'imagine que le fils que tu as perdu était d'un autre homme. De qui, Carmina? De qui es-tu tombée enceinte? Ne t'avise pas de dire ça à mon mari! Parce que je te jure que je te tuerai, tu m'entends? Je te tuerai! Alors éloigne-toi de moi et de ma femme! Ne viens plus la voir et ne reviens plus ici, tu m'entends? Avec grand, grand plaisir. Mais toi, pauvre imbécile, ne t'approche plus de mon mari! Parce que si à cause de toi, je perds le peu qui me reste, je te traînerai avec moi jusqu'au fin fond de l'enfer, est-ce que tu m'entends? Jusqu'au fin fond. Je ne comprends pas ce qu'on fait à Mérida, alors que j'ai accepté toutes tes conditions. Pourquoi tu n'as pas demandé à ton chauffeur de faire demi-tour jusqu'à la Ermita? Je veux agir avec fermeté. Je ne peux pas me permettre une autre erreur. C'est pour ça que je profite de notre passage à Mérida, pour qu'on t'examine dans cette clinique de fertilité. Oh, tu ne peux pas me faire ça. Mais je veux seulement qu'on t'examine, voyons. Pour m'assurer que tu vas parfaitement bien, et que tu peux tomber enceinte sans problème. Je ne vais tout de même pas prendre le risque que ça ne fonctionne pas avec mon fils, encore une fois. Je n'entrerai pas là-dedans, Alfonsina. Tu auras peut-être juste besoin de prendre des médicaments et de réunir les conditions optimales pour pouvoir tomber enceinte. Si après les examens effectués, il se trouve que tu es une femme stérile et incapable d'être mère, alors tu ne me serviras plus à rien et tu pourras retourner à Mexico quand tu voudras. Mademoiselle, nous avons rendez-vous. Bon, et alors ? Alors quoi ? Bah, qu'est-ce que tu devais faire de si important hier soir ? Je veux dire, tu es rentré très content, par contre, tu n'as pas dit un mot. En fait, j'étais chez Elisa. Je suis allé parler avec Augusto pour lui demander la main de sa fille. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça te surprend que je sois sorti de là vivant ? Eh bien, à vrai dire, oui, un peu. Quoi, Augusto n'a pas essayé de te tirer dessus ou quoi ? Au contraire, il a très bien pris. On s'est parlé très respectueusement, il doit me donner sa réponse aujourd'hui. Je crois que Monsieur Augusto ne pourra rien faire pour nous séparer, Elisa et moi. Il l'a finalement compris. Madame Romona l'a bien dit. Oui, on ne peut pas échapper à son destin. Et le destin d'Elisa et le mien, c'est d'être ensemble pour nous aimer. Non seulement tu veux te débarrasser de toutes tes terres, mais aussi de l'hacienda. Maintenant, tu me dis que tu veux les mettre en vente, alors que c'est le lieu où j'ai grandi, où sont tous mes souvenirs avec ma mère. C'est exact, Parfait. Elisa. Eh bien, tu as le droit de faire tout ce que tu voudras, Par contre, tu ne m'obligeras pas à vendre ma serre. Je t'ai dit que je ne voulais te forcer en rien. Tu sais le mal que j'ai eu à monter cette serre. Et là, on fait maintenant la première semence. Elle va commencer à produire et tu veux que je m'en débarrasse comme si de rien n'était? Si je veux qu'on vende tout, Elisa, c'est pour partir tous les deux de la ermite, sans regarder en arrière. Partir? Où ça? N'importe où. Ça n'a aucune importance. Mais partir ensemble. Seul. Toi. Et moi. Dans un endroit où l'on pourra enterrer ce passé qui nous a tellement fait de mal. On prendra un nouveau départ. On mérite tous les deux cette chance de former à nouveau une famille. Je vous félicite, madame. C'est la bonne décision, recourir à un spécialiste maintenant que vous prévoyez de tomber enceinte. Je ne suis pas ici par plaisir, docteur. Et je n'ai pas besoin d'examen. Je suis sûre que je me porte parfaitement bien. Excusez ma belle-fille, docteur. Si je l'ai amenée,
c'est parce que je ne veux pas qu'elle vive la même expérience que j'ai vécue. Mm-hmm. J'ai lutté pendant de nombreuses années pour tomber enceinte. Bien que ça te surprenne, Florentia, c'est la vérité. J'ai été forcée de me soumettre à une série de traitements très douloureux pour avoir un enfant. Oui, je sais que tu es une femme jeune et en bonne santé. Mais il vaut mieux s'assurer quand même que tout va bien, n'est-ce pas, docteur? Oui, tout à fait, madame. Je vais vous prescrire une série d'examens et dès que les résultats seront prêts, nous fixerons un rendez-vous. Du calme. J'ai appris que vous aviez pris la direction de l'entreprise. Félicitations. Je tiens à vous dire que je suis à votre service pour tout ce dont vous aurez besoin. Si je peux vous aider, comptez sur moi. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de choses vont changer dans l'entreprise et je me vois obligé de prendre des décisions que je ne veux pas. Parmi elles, celle de mettre fin à tes services, Enrique. Tu es licencié. Quoi? Mais comment ça, licencié? Si c'est à cause de ce qui s'est passé entre Florentia et moi, écoutez, aujourd'hui, il n'y a plus rien entre nous, c'est terminé. Non, ce n'est pas ça, Enrique. En fait, Florentia a décidé de partir à Mexico et de ne plus revenir. Mais enfin, c'est pas possible, je viens de parler avec elle et elle ne m'a rien dit. C'est probablement une décision qu'elle a prise à la dernière minute. Je comprends pas, alors Florentia n'est même plus au village. Pourquoi vous en prendre à moi alors, hein? Expliquez-moi au moins pourquoi vous me licenciez. Mais c'est que la décision a en fait déjà été prise, Enrique. Je suis vraiment désolé. Tu vas être indemnisé, évidemment. Et bien sûr, je suis entièrement disposé à te donner une excellente lettre de recommandation pour que tu n'aies pas de problème à retrouver du travail. Non, merci, c'est très gentil de votre part. Mais je crois bien que je vais me débrouiller tout seul, non. Ok? Passez une bonne journée, merci, hein. Maro, vous pouvez venir, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Oui, entrez. Oui, dites-moi. J'ai besoin que vous me prépariez les indemnités d'Enrique Tovar, s'il vous plaît. Comment? Vous allez le renvoyer? Pardon, mais je crois que c'est une erreur. Enrique est un excellent employé, très travailleur et très responsable. Ah, si seulement Damian était là. Non. Damian n'est plus ici. Hein? Le patron, c'est moi. Donc, s'il vous plaît, contentez-vous d'obéir à mes ordres, s'il vous plaît. Excusez-moi. Allez-y. Pourquoi tu me dis tout ça maintenant, papa? Parce que tu es tout ce qui me reste, Elisa. Tu es la seule chose que j'ai. Et ma tante Carmina? Elle, quoi? Si on s'en va d'ici, on s'en va seul. Mais il y a aussi Lolita, papa. Dolores va bientôt se marier et fonder sa propre famille. Elisa, donne-moi la chance d'être le père qui t'a manqué tout ce temps. Moi aussi, j'ai besoin de récupérer ma fille. Parce que malgré tout, tu restes ma fille. Tu m'as aussi beaucoup manqué. Beaucoup plus que tu ne crois. Papa, ne pleure pas. Ne pleure pas parce que tu vas aussi me faire pleurer. Je pensais que ma proposition te plairait. Qu'est-ce qui t'arrête, Elisa? C'est l'amour que tu ressens pour Damian, n'est-ce pas? Je l'aime tant. Je l'aime de tout mon cœur, papa. Je veux tout abandonner pour toi. Je serai même prêt à pardonner à ta mère, Elisa. À renoncer à tout ce passé. Et toi? Toi, pour moi, tu ne peux pas oublier Damien. Tout comme moi, tu sais aussi combien on mérite une deuxième chance, ma fille. Elisa. Mon Elisa. Mais je comprends. Si pour toi, Damian est plus important que moi. Finalement, pendant toutes ces années, je n'ai réussi qu'à gagner ton mépris. Je t'adore, papa. Je t'adore. Alors promets-moi que tu vas y réfléchir. C'est inutile d'y réfléchir. Partons, papa. Partons seulement toi et moi. Très loin d'ici. Allons-nous-en. Merci, Elisa. Mille merci.
Nina? Je pensais qu'elle était ici avec toi. Elle est partie tout à l'heure. Oh, c'est bizarre, je ne l'ai pas vue passer, elle ne m'a même pas dit au revoir. Bon, eh bien, je suppose qu'elle était pressée, Bégonia. Enfin, je ne sais pas. Ah oui, ça doit être ça. Regarde, je t'ai ramené quelque chose de très bon à manger. Merci. Salut, papa, comment ça va? Bien, mieux, mon garçon. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu fais cette tête? Guido Landucci vient de me renvoyer de l'entreprise. Non, mais c'est pas vrai, cet homme n'a aucune autorité pour te renvoyer. Non, en fait, si, maman. Madame Alfonsina l'a mis à la direction de l'usine. Je ne sais pas ce qui se passe, mais aujourd'hui, j'ai été obligée de fermer le salon de beauté parce qu'il n'y avait pas un chat. Je vous dis pas, on a annulé tous mes rendez-vous qui étaient prévus cette semaine. Ah, on dirait qu'aucune femme de la Ermita ne veut venir se faire pomponner dans mon salon de beauté. Alfonsina Arango, je suis sûre qu'elle est derrière tout ça. Ah, chérie, cette femme veut nous détruire. L'avocat est déjà en train de préparer les indemnités de licenciement. Dès que tous les documents seront prêts, je contacterai personnellement Enrique Tovar pour qu'il puisse signer tout ça et qu'il puisse toucher l'argent qui lui revient de droit. Je peux ? Qu'est-ce que tu fais ici, Paolo ? Il faut que je te parle, Guido. On parlera ce soir quand je serai à la maison. J'ai beaucoup de choses à faire. Paolo, je ne peux pas m'occuper de toi pour l'instant. C'est rapide, ça ne te prendra pas beaucoup de temps. Écoute, je viens seulement te présenter mes excuses pour tous les problèmes que je t'ai causés. Et te demander de bien vouloir me donner une autre chance. Tu as toujours été un père pour moi. Et maintenant, plus que jamais, j'ai besoin de cette opportunité. Qu'est-ce qu'il y a, Horacio ? Allez, détends-toi, hein ? Hein ? Le père Loupé ne devrait pas tarder à venir bénir le local. Et je ne veux pas qu'il te voie tout tendu. Comment ça va, Lolita ? On est presque arrivés en même temps. Oui, oui, monsieur Lucio. Écoutez, je voudrais vous présenter Horacio, mon futur époux. Oh, mais nous nous connaissons déjà. C'est bien toi qui es venu chercher mon cheval ce matin. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais le fiancé de Dolores ? C'est que je devais être pressé, mais enchanté, monsieur. Moi aussi, enchanté, jeune homme. Mais laissons tomber tout ce protocole. Horacio. Dolores m'a déjà beaucoup parlé de toi, tu sais. Et à mon avis, l'homme qui est parvenu à conquérir son cœur ne peut être qu'un homme très généreux. Allez, je te serre dans mes bras, jeune homme. Il est très important que tu saches que je considère Lolita comme ma propre fille. Et dans ton intérêt personnel, il vaut mieux que tu la rendes heureuse. Parce que sinon, tu risques fortement d'entendre parler de moi. Et crois-moi, ça ne va pas te plaire, hein ? Ah, ça alors, quelle chaleur ! Les mariés, oui. Les futurs jeunes mariés, monsieur Lucio. Comment allez-vous ? Comment ça va, mon père ? Alors, vous êtes prêts ? Oui. Alors, allons-y. On y va, mon père. Allez-y, entrez. Excusez-moi. Ma Blanquita ne méritait pas de mourir ainsi. Toute seule au milieu de ces flammes. Prisonnière au milieu de cet ignoble enfer. Monsieur Lucio, vous savez les desseins de Dieu. Et ses voies sont impénétrables. Mais notre Seigneur Dieu nous donne toujours la force nécessaire pour surmonter toute adversité. S'il vous plaît, monsieur Lucio, il nous faut accepter sa volonté suprême. Et je l'accepte, mon père. Mais je n'oublie toujours pas la promesse. La promesse que j'ai faite à ma femme le jour de son enterrement. Je ne vivrai en paix que lorsque ce maudit assassin qui a osé lui ôter la vie aura payé pour son crime. Et je suis ici pour prêter à nouveau le même serment. Tu verras, Elisa. Dès qu'on aura vendu nos terrains, on règle nos dettes. Et avec l'argent qui nous restera, on achètera un lopin de terre ailleurs pour l'ensemencer ensemble. On travaillera du lever au coucher du soleil pour s'en sortir. Et pour que tu mènes à bien tes projets d'exploitation de toutes les propriétés du piment habanero. Papa, je sais que quoi qu'on envisagera, on réussira à coup sûr. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi. Tu sais, j'aurais un grand service à te demander. J'aimerais qu'on attende que
Lolita se marie avant de partir. Pour moi, c'est très important d'être là le jour de son mariage. Bien sûr, Elisa, je comprends. Je te promets qu'on fera comme ça. À présent, moi aussi, j'ai quelque chose de très important à te demander que tu ne peux pas refuser. Quoi donc ? Je veux ta discrétion totale. Tu ne peux parler à personne de notre projet. Ni à Dolores, ni à Gaël, et encore moins à Carmine. D'accord, mais tu comprends bien que je dois en parler à Damian. Non, Elisa. Je ne prendrai pas le risque qu'il te persuade de rester. Papa, je t'ai donné ma parole. Et crois-moi qu'elle compte. Je n'en doute pas. Pourquoi tu n'attends pas que le mariage de Dolores soit passé pour lui parler et lui faire tes adieux? Je veux que rien ne vienne gâcher nos projets, tu vois. D'accord, papa. Mais je te rappelle que Damian en est resté à l'idée que tu allais considérer sa proposition de mariage avec moi. Et il est en train d'attendre que tu lui donnes une réponse. Ne t'en fais pas. Je sais très bien ce que je vais faire pour le tranquilliser sans qu'il ne soupçonne notre projet de quitter la Ermita pour toujours.